faire The Evil Within. Je vais lancer. Hop. Et puis normalement. Bon, ça peut faire ça. C'est fort un peu. Allez. Alors, hop, c'est ça, hop, close, voilà, allez, on se met ça bien, be right back. Oui, bah t'es gentil, pourquoi il marche pas? Voilà. On va se mettre ça là, bien. Voilà, bien comme il faut. J'ai continué, nouvelle partie, nouvelle partie plus. C'est la nouvelle partie plus. Ouais, c'est vrai que j'ai pris des DLC, j'aimerais bien pouvoir les faire cette fois-ci. Partie sauvegardée. Partie plus, pourquoi tu fais ça toi? R supprimé. Ah. Bah ouais, on va supprimer. Ah, on va même tout supprimer. Non. On va tout supprimer. Voilà. Qu'une donnée sauvegardée. Hop. On a tout supprimé. J'appuie changer, gérer les données sauvegardées. Non ? Bon, bah, nouvelle partie. La marque au centre soit à peine visible. Pas de conner, hein. Hop. Voilà, je sais pas vous, mais moi je le vois à peine. Entrée. Alors, survie, cauchemar, Akumu. Si j'ai envie de le finir, on va se le mettre en mode survie. Hein. Voilà. À
à toutes les unités. 1199, exécuté code 3, hôpital psychiatrique Beacon. 184 reçu, code 3, on y est dans 3 minutes. Compris, 184. Désolé, inspecteur. Je sais bien que vous venez de boucler, mais je crois qu'on va devoir faire un détour. Qu'est-ce qui se passe? Une émeute? L'appel a été lancé avant que je passe vous prendre. Homicide multiple, il paraît. Il y a déjà une douzaine d'unités sur place. 131, répondez. Eh, c'est peut-être le fantôme de Zopter qui est devenu dingue et qui a charcuté ses patients. C'est pas ça du tout. Des patients ont disparu. Et on n'en sait pas plus. Ouais. Ça reste flippant quand même. 127, 124, répondez. Joseph, tu penses qu'il y a un lien? C'est bien possible. C'est sous-scellé, mais j'ai mes sources. Si vous êtes sur place, répondez. Centrale, inspecteur Castellanos dans la 184. Quelle est la situation, à vous? 184, des problèmes sont arrivés à tout le sur place, Boreal Vitoff. Ouh, ça pue. Est-ce qu'il y a des... Ça grésille. Les bordels! Putain! La radio ne passe plus. C'est chaud. Et vous, inspecteur Kidman? Qu'en dites-vous? C'est chaud, chaud. Pas grand-chose. Je pense qu'on en saura plus une fois sur place. Je pense que tu en sais plus que tu n'as l'air de faire croire. Bon, c'est la merde. T'en penses? Conley, contactez le central et faites-leur un rapport. Joseph, Kidman, avec moi. On va aller jeter un coup d'œil. Ok. Ok. Alors, hop. Deux petites secondes. Il ouvre mon curseur. Oh. D'accord, j'ai mon curseur qui déconne. C'est quoi ce bordel? Voilà. Hop. Voilà. On va régler la souris. Alors apparemment il y a des véhicules, deux flics, des ambulances, mais il n'y a personne dehors. Il court bizarre quand même, hein. Il y a comme une odeur de sang. Ok, fais gaffe. On va voir à l'intérieur. Que personne d'autre ne passe cette porte. Je pourrais me rendre un peu utile. On sait pas ce qu'il y a là-dedans. Restez en soutien. Du sang. Tu as entendu ? On a un survivant. Vous êtes blessé? Que s'est-il passé? C'est pas vrai. Impossible. Reviquet. Je m'en occupe. Tu devrais vérifier les caméras de surveillance. Me dis pas ce que je dois faire. Alors, voyons voir. Joup. Voilà, plus personne. Attention, coucou. Quoi ?
voilà, ça commence. Par cette musique. Allez, on va se faire des coups de stress. Ouh, il y a des clés qui pendouillent là-bas. Barre-toi. Ouh, des cadavres. Du sang, de l'hémoglobine. Attention, il y a un fil ici. Ah voilà, attention. Allez, c'est le moment de courir. Voilà. Bien. Sortons de ce merdier. Alors pour les infections, il n'y a rien de mieux.
par où. Ça doit être par là. Va vers la lumière. Situé à l'extrémité des égouts se trouve une échelle menant à l'ancienne L. Si vous arrivez jusque là, vous trouvez un ascenseur menant à l'extérieur, vous serez le premier à vous échapper, vous serez même le seul à avoir survécu. Oh, mais ça serait si simple. D'armes, je peux pas tirer. Des notes ici, on dirait. Début du test opérationnel du système. STEM 13h15, réussite, confirmation de la synchronisation des ondes cérébrales, perte minimale, poursuite de l'expérience, récupération des données par l'argent. Ah, merde, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, fait chier. Je vais lire. Archive. Merde, c'est où? Non, pourquoi ça fait défiler ça, moi? Et non, t'es con, toi. Ah putain, ça bug. Merde, molette. Ça marche pas. Ah, c'est chier. D'accord. Donc la molette fait défiler les pages qui sont sur mon deuxième écran. C'est génial, ça. Bon, alors, qu'est-ce qu'il me fait? Pourquoi il me fait ça? Il veut pas. C'est pas grave.
qu'on est. J'avais pas mal galéré au début. Il faut la jouer discret en fait. Je réussirai à passer dans l'autre pièce sans qu'il me voie. Thank you.
pas bien de fumer. Darkness twisting me around. Voilà, voilà. There is nothing I can do. This world doesn't spin. It just turns itself. Jokes tied in the news. Mm-hmm. Il boite plus là. Joseph, je suis désolé, mais il est pas ressorti. J'ai attendu, mais... Allez, calme-toi, Leslie. Merde, on pourra pas y retourner. Fais chier. On peut contacter personne. Tout le monde est sûrement mort. Comment ça va à l'arrière? Quelques bleus, mais ça va. Ça va. Ça ira mieux quand on sera loin. Ça va. Ouais, un peu plus loin et tout ira bien. Ça va. On tombe. Attention! Qu'est-ce qu'il y a? On tombe.
plusieurs habitants portés disparus. Ma tête. Hey, y a quelqu'un? On est réveillé. Tous les autres vont bien? Où suis-je? Mais de quoi parlez-vous? Il n'y a que vous ici. Pour le moment. Mmh. Ah, le fameux miroir. On va la suivre. On va voir ce qu'elle nous veut. Ce lieu est important pour vous. Vous êtes toujours le bienvenu ici. Je suis à l'hôpital? Je crains de ne pouvoir vous répondre. Je vous en prie, inscrivez-vous ici. Si vous ne signez pas, nous ne pourrons pas conserver. Le prochain souvenir. Veuillez me suivre. Sans le médicament. Tout va bien. Détendez-vous. Vachement envie de me détendre. Asseyez-vous donc. Qu'est-ce que vous faites ? C'est pour votre bien. Ne vous débattez pas. Non! Arrêtez! Non! Vous voyez? Voilà. Tout va mieux. Est-ce que je deviens dingue? Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? Juste l'impression de cramer. Je vous attends. Où êtes-vous? Conley? Ok, j'ai tout ramassé là. Oui, ça vaut beaucoup mieux sa jambe. On va suivre les traces. Ah oui, c'est vrai qu'il peut pas courir longtemps. Hey!
fera. Mec. Merde. Précieux liquide, on sait pas ce que c'est. Ça fait mal, ça fait mal. Oh là. Tu voulais me prévenir du piège ? Leslie, c'est ça ? Je suis inspecteur de police. Je devrais pouvoir t'aider. Pouvoir t'aider ? Merde. Comment je vais faire pour t'emmener à l'hôpital ? À l'hôpital. À l'hôpital. L'hôpital. L'hôpital ! Bordel ! Ah, l'arbalète agonie, ces objets s'utilisent dans l'écran inventaire. Ok. Yes, c'est vrai. Et des fois, ils peuvent donner des objets. Il me semble. Pas lui, apparemment. Ça sonne bien, il aura fallu le temps. Mais après, d'après ce que j'ai compris, j'ai été l'un des plus rapides à monter en grade. J'ai hâte de commencer, je serai beaucoup plus utile au poste d'inspecteur qu'en tant que policier de quartier. En plus, pas besoin de porter leur uniforme ridicule, ça paye un peu mieux. Le poste de Crimson City a besoin de toute l'aide possible ces derniers temps. La criminalité explosée, c'est ma ville et je dois la protéger. Ok. Voilà. Merde! La tête. Ouais.
On dirait bien. Je ne sais plus si je rêve ou pas. Quelque chose ne va pas. Alors, jauge de vie, temps de sprint maximal, attaque au corps à corps, efficacité des seringues. Pas plus de vie, non, pas possible. Les armes. Cadence de tir, vitesse de rechargement. Précision. Et stock, d'accord. Garde ça pour plus tard. Espace. Oui, c'est vrai. Hey, excusez-moi, vous êtes du coin? Je suis paumé et... C'est sérieux? Pas continuer. Mais j'ai plus d'allumettes. Quant à l'autre, bon, le mec du coin.
Ouais, mais crève, bordel. Ah ouais, d'accord. Donc je peux pas lui mettre des coups. Il crève pas. Les corps ont disparu. Bon, on va continuer. Ah putain, il y en a d'autres.
journée. Je vois que dalle. Bon, il est où ce con ?
Oh merde. Forcément passer par là. Évidemment. Merde. Hello à toi. Salut Azurixid. Alors, si tu veux savoir, je me refais Evil Within parce que je l'ai fait il y a assez longtemps. Étant donné que le 2 va bientôt sortir, je vais faire profiter les gens qui connaissent pas du tout. Alors des fois quand tu crames les mecs comme ça, là ils te lâchent un petit bonus. Des allumettes, des balles. J'aime pas beaucoup ça moi. J'aime pas trop quand c'est trop calme. Je préfère quand c'est un petit peu plus moins calme. Ah yes.
l'hôpital est là. Ça, c'est des pièces qui nous serviront plus tard. Ça, je sais plus. Ça, faut s'approcher. Ouais, comme ça. Ah oui, il faut appuyer au bon moment. Succès, rouge, échec, voilà. Voilà, donc ça c'est... Et loupé. Putain, j'ai plus trop de vie en plus. Putain, quel con. Ça c'est les seringues qui te permettent de remettre un petit peu de vie. C'est un liquide vert qu'on sait pas ce que c'est. Et ce que je ramasse là en fait, c'est des bocaux avec du liquide vert aussi, qui me permettra d'améliorer mes compétences. En dessous. Faut juste que je m'en souvienne quoi. Il est super bien fait ce jeu. Ils auraient dû, je sais pas, peut-être imposer certaines scènes en première personne et pas en troisième. Je me suis tapé des super stress là-dessus. Ah, ici, je me souviens là. Peut-être caché sous le lit. Je sais plus qui est-ce qui m'appelle là. Qui est là? Non, ne tirez pas. Je ne suis pas comme eux. Je suis docteur Marcelo Jiménez. Vous étiez dans l'ambulance avant l'accident, c'est ça? Oui, on l'a échappé belle. Vous n'avez pas vu les autres? Seulement mon patient, Leslie. Je l'ai vu fuir par là, mais... Mais? Voyez par vous-même. Mais pas un bruit. J'avais fouillé ailleurs déjà. J'ai pas vu des caisses quelque part là. Voilà. Non. Bon. D'ailleurs, un miroir pas loin. Bon, alors on va aller voir ce qu'il nous veut, ce qu'il veut nous montrer. Voyez par vous-même ces choses. Elles m'ont poursuivi jusque dans le village. Moi aussi. Il y en a partout. Leslie est passé par ce portail. On court après un patient. Ah bah voilà. Seigneur. Il y en a trop pour qu'on passe en force. L'un de nous pourrait tenter de les éloigner pendant que l'autre ouvre le portail.
Vous êtes le seul à être armé. J'ai des doutes. Sur la terrasse. Ok. On va retourner sur la terrasse. Ah oui, alors le truc c'est que si tu t'as une jauge d'endurance et quand les mecs ils te courent après, t'as plutôt intérêt à économiser ton endurance. Alors. Suivez-moi! Le con. Il va juste réussir à se faire tuer. Je te jure. Oh, le gros porc là, avec sa tronçonneuse, il est dans le coin. Ouh, ça va être tendu ça. J'avais une échelle mais je pouvais pas monter. Bon. Je sais plus où faut que j'aille. Thank you.
Oh merde. Oh putain merde. C'est la merde. On va essayer de passer ça et puis on va voir ce qui va se passer après. Je pense qu'on va s'arrêter après, dans pas longtemps, qui est déjà une heure. Azurexil, j'invite à follow et comme ça tu sauras quand je continuerai la suite. Tu pourras venir voir. Ouais, j'essaie de sortir. Exactement. Oh merde. Oh fait chier. Oh je vais crever. Vas-y dégage. On va me cramer ou pas? Que eux ils sont rapides. Oh merde. Eh merde. Boum. Bon bah voilà. Et voilà. Bon, bah on va arrêter là. On continuera certainement... peut-être demain. Enfin, je vous dirai sur les réseaux sociaux de toute façon. Donc hop, on va s'arrêter là. À sauvegarder, allez, du coup menu principal et on va s'arrêter là pour Evil Within. J'hésite à faire un petit peu de PUBG, je vais voir qui y a. En tout cas merci d'être passé, j'espère que ça t'a plu. Là j'étais pas très bavard parce que du coup j'étais un petit peu concentré, voilà. Mais c'est pas grave, on verra la suite demain. Alors on a qui? On a du monde? Non, on a personne. Bon bah voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Du coup demain, petite journée avec ma femme, petite journée avec mon fils, on va en profiter. Je pense que je vais pas streamer l'après-midi, certainement un petit peu le soir. Peut-être tard, parce que si on regarde un film ou quelque chose, je pense que je vais streamer aux alentours de 10h. Peut-être avant, on sait jamais. Mais en tout cas, restez à l'affût des réseaux sociaux et je vous tiendrai au courant. Ok? Allez, sur ce, moi je vous souhaite une bonne soirée et une bonne nuit. À demain. Ciao.